Salut, mon nom est Florent Passamonti, bienvenue dans cette rubrique Blues Rock. On est ici dans les locaux de Guitare Extrême. Donc je vous ai concocté un petit morceau basé sur trois accords. On est dans un style blues rock. Les trois accords du morceau sont évidemment le premier degré, donc un accord de mi. On est en mi. Ensuite un accord de la, le quatrième degré. Et un cinquième degré, l'accord de si. Généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 degrés, évidemment, c'est ceux qu'on rencontre dans les grilles de blues les plus basiques. Et c'est aussi des degrés forts en fait, qu'on rencontre dans la plupart des chansons qu'on peut étudier. Donc j'ai vraiment voulu faire un travail sur ces 3 accords qui sont vraiment hyper importants pour, en tout cas, structurer un morceau. Donc on commence, je commence en anacrouse, donc c'est-à-dire je commence sur le contretemps du troisième temps, je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Et en fait, au passage de chaque accord, on a la même façon de. En fait, le même motif. Do dièse. Avec un petit bend sur le sol. Après. Et après, on a un petit passage chromatique. Ce premier exemple. Deuxième exemple, là on part sur quelque chose de lead. Donc après avoir exposé la rythmique, d'ailleurs en fait que vous pouvez tout à fait, qui irait tout à fait en dessous ce solo-là, on est sur un solo en fait qui suit les harmonies. On commence par une sorte de penta de mi majeur. Vous voyez, la tonique elle est là. Avec un petit vibré ici à l'index. Ensuite, lorsqu'on passe à l'accord de La, là je fais d'ores et déjà entendre l'harmonie. En fait, vous voyez sûrement ici la position. Voilà, si on la fait complètement, ça fait ça. Donc. Voilà, là on sonne vraiment hyper consonant, on entend vraiment la couleur de l'accord de La. Après, le procédé est exactement le même lorsqu'on passe à l'accord de si. Donc, c'est grosso modo exactement le même motif, sauf qu'on est 2 cases en dessous. L'accord de la, on était là, l'accord de si, on était là. La petite surprise, en fait, d'un point de vue harmonique, c'est que sur l'accord de si, on joue le ré dièse. Ici, on trouve ici, ici, également ici. Et là, en fait, j'ai voulu le faire sur un plan, on va dire, avec une inspiration country. Je tiens le bend. Je vais chercher le ré dièse avec le petit doigt. Et je redescends. Voilà, et en fait, je retombe sur ma pentatonique de mi mineur. Et donc, pour la suite de l'exemple, en fait, on est en fait en terrain connu, quoi. On retombe sur l'accord de mi. Avec, en fait, grosso modo, une position de penta. Avec, évidemment, la tierce majeure pour clairement faire entendre la sonorité de mi majeur. Voilà, grosso modo, pour ce qu'on peut dire sur ce deuxième exemple. Troisième
Troisième exemple. Alors là, cette fois-ci, après avoir commencé le deuxième exemple, grosso modo, dans cette région du Manche, on partait là, on a fini grosso modo ici. Là, en fait, tout se passe en fait dans cette région-là. On commence sur un petit plan en fait sur la pentatonique de mi mineur. On rappelle qu'on est sur un accord de mi avec un petit bend d'un quart de ton, un quart de ton, un demi-ton. On essaye de bien vibrer la tonique. On passe à l'accord de la, donc en fait je suis un peu là, ce que je disais tout à l'heure. L'idée c'est vraiment de souligner les harmonies. Avec un plan archi simple mais qui a le mérite d'être archi efficace. On répète le truc, comme ça, ça marque clairement bien. Et dans le même genre, on va essayer de faire entendre cette harmonie-là, l'harmonie de si. Alors là, je vous donne en mille, c'est la même note que tout à l'heure qui est importante, qu'on va essayer de faire sonner, à savoir le ré dièse. Qu'on va atteindre par le biais d'un bend à partir du do dièse, un bend d'un ton. Le reste de l'exemple, c'est vraiment de la penta mineure qui est balancée un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc le plan qui tourne. Voilà, toujours le plan avec la tierce majeure qui est abordée au demi-ton inférieur avec la tierce mineure. Et enfin, un plan pour un petit peu se lâcher.